depuis 40 ans, peut-être un peu plus, le point qu'on a appelé tout à l'heure le nord géomagnétique se déplace de manière erratique, certes, mais de plus en plus rapidement et de manière de plus en plus rectiligne. Il semble qu'il aille vers Poutine. C'est-à-dire qu'il abandonne la zone d'Alaska qui est allée aux États-Unis, traverse en partie le Canada et il va vers la Russie. Or, ce que je sais, et que je vous montrerai dans le film, c'est que la longitude de Gizeh a été dépassée en 2005. Il y a eu quelque chose qui s'est produit.